Il n'y aura non plus un seul, mais deux clubs corses dans l'élite, hein, puisque le Gazélec d'Ajaccio, à ne pas confondre avec l'AC Ajaccio, a gagné vendredi son ticket pour la Ligue 1, et ce, pour la première fois de son histoire. Cyril Domenico, avec Philippe Carayon et Manu Del Pozzo, ont assisté à ce moment historique. L'ivresse, la clameur d'un miracle dans les rues d'Ajaccio. Qui aurait pu imaginer pareille destinée pour le plus petit budget de Ligue 2? Un club qui jouait encore en 4e division il y a 4 ans et assume son héritage amateur malgré sa fulgurante ascension. Là, les chances sont vraies et on le sent et on a envie de se transcender pour eux. En fait, ici, c'est ce qui fait que ce club aussi fonctionne vraiment bien, c'est que c'est toujours comme ça, toujours à fond. Puisque finalement, autour du club, il y a tellement de gens qui donnent à ce club que nous, les joueurs, on ne peut pas être en dessous d'un certain niveau d'investissement. Voilà, je ne sais pas s'il y a beaucoup de terrains de Ligue 1 où on peut amener son chien et le faire courir dessus. Voilà. C'est ce côté familial du GFCA. Ça fait un peu football amateur par moment, mais je pense qu'on a un comportement professionnel dans une structure, je dirais, un peu plus amateur. Le Gazélec Ajaccio grandit presque trop vite. Sans équipe réserve et avec un modeste stade de 3000 places. Une enceinte qui pourra accueillir après travaux les rencontres de Ligue 1. Les dirigeants l'assurent. Le stade est homologué, donc il répond à tous les critères de sécurité nécessaires, notamment pour l'accueil du public et le déroulement, bien évidemment, des rencontres. Une entité ancrée dans le football corse. À l'ouest d'Ajaccio, cette plage est un repère des Diables Rouges, impatients cette semaine de valider leur première accession en Ligue 1. La pression est énorme. Depuis une quinzaine de jours, on a du mal à trouver le sommeil. Eh bien, je pense qu'on va réaliser demain soir et encore. Il faudra encore quelques semaines pour réaliser ce qui va se passer dans ce club. C'est inexplicable. Inexplicable ce qu'on ressent en ce moment. En 45 ans de vie consacrée au club, Fanfan Tagliaglioli n'avait jamais imaginé tel scénario. Ça va. Lui, le président historique, qu'on salue, qu'on remercie. Bâti, ça va. Lui qui a sauvé le Gazélec à de nombreuses reprises. Oui. Le Gazélec a toujours été un club où il est pour souffrir, c'est vrai. Ça n'a jamais été facile pour le Gazélec. Demain soir, pour moi, ce sera peut-être le plus beau jour de ma vie. J'en aurai les larmes aux yeux, ça, je ne peux pas m'empêcher. Vendredi, jour J à Ajaccio. L'attention, le désir guide les gaziers vers une soirée peut-être mémorable. Je les sens, là. Ça sent la D1 un peu, les maillots. Attention. C'est là que c'est belle. Quand tout Ajaccio a tourné sa veste, nous on est toujours resté rouge et bleu. Et voilà, c'est ça qu'il faut montrer aujourd'hui parce qu'on a eu des hauts et des bas. Minutes suffisent pour faire basculer le petit stade Ange Casanova dans l'euphorie. Avec 3 points face à Niort, la montée serait assurée. Transcendés, les joueurs insistent et marquent une deuxième fois. Le gaz encaisse un but avant la mi-temps, mais se reprend sur ce coup de tête de Filippi. Capitaine d'un club qu'il a rejoint en amateur, aujourd'hui, aux portes de l'élite. Comme un rappel à son passé tempétueux, le Gazélec rechute et offre un second but au Niortais. La fin de match n'en est que plus épique. Sous une pluie battante, le stade s'embrase. Jusqu'à la délivrance. C'était vraiment quelque chose d'incroyable. Et voilà, il faut remercier le club, la ville, qui nous ont soutenus du début à la fin. Voilà, merci à tout le monde. C'est vous,
Ce soir, c'est magnifique. C'est le plus beau jour de ma vie. Je vous l'ai dit. Président, alors. Le plus beau jour de ma vie. Le plus beau jour. C'est magnifique. 2015, une saison extraordinaire pour le petit club corse, celle d'un grand saut vers l'inconnu.